Alors, bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Métamorphose. On a vu dans les semaines précédentes le problème du péché, comment on est mal foutu avec le péché, comment il y a des conséquences au péché. Et aujourd'hui, on va voir plutôt l'idée à savoir si on fait partie, nous, chacun d'entre nous, moi, vous, si on fait partie du problème. Martin, bonjour. Salut François. Quand on dit que le monde va mal, c'est rare qu'on s'inclue dans le monde. On regarde à la télé, on regarde autour de nous, on constate que ça va mal, le monde va mal, mais on s'exclut souvent du monde pour parler des autres, puisque nous, des fois, on se considère pas trop pire. C'est ça. Moi, écoute, ça fait presque 50 ans que j'ai mon permis de conduire, Martin. Et puis, pendant longtemps, des années, je me disais, misère que le monde, il y en a donc qui ne savent pas conduire, qui sont imprudents ou je ne sais pas encore quoi, jusqu'au jour où je réalise que j'ai fait aussi plusieurs manœuvres, voire imprudentes. Et là, je me suis dit, hey, je fais aussi partie de cette gang-là. Et je prends mon tour aussi régulièrement. Tu fais partie du problème. Je fais partie du problème en tant que mauvais conducteur de temps à autre. Ouais, mais c'est difficile à avouer parce qu'on se considère souvent, comme j'ai dit, des bonnes personnes. Puis même, je me fais dire qu'on est bon. On ne naît pas mauvais. On ne naît pas pécheur. Et que c'est notre environnement, c'est la société à la limite qui va venir nous rendre mauvais, qui va venir nous corrompre. Puis ça, c'est une question, au fond, qu'il y en a beaucoup qui se posent. Et puis, on a été justement dans la rue et on a posé la question à savoir, est-ce que c'est la société qui corrompt l'homme ou l'inverse? On écoute ça ensemble. Il n'y a pas de société sans homme, donc c'est l'homme qui corrompt la société. Je pense que ça va dans les deux sens. Mais là, c'est comme le... L'œuf et la poule, là. Puis d'où ça part, puis... Je me dirais, il y a les deux. Parce qu'il y a l'homme qui est par sa mégalomie, qui veut avoir toujours plus, avoir du pouvoir pour avoir un ascendant sur l'autre. Mais la société aussi, si elle ne contrôle pas certaines valeurs pour corriger les situations. La majorité des gens, probablement, qui naissent foncièrement bons, mais la bulle familiale, il fait pour beaucoup. Ensuite de ça, bien, il y a la génétique qui fait que peut-être qu'il y a des gens qui sont plus portés ou qui ont des problématiques mentales qui fait qu'ils sont peut-être plus méchants. Mais la société ne corrompt pas les gens, non. À moins d'être dans une société complètement pervertie. C'est la société qui corrompt l'être humain, plus que l'inverse. Parce que quand on est bon, il me semble, on est plein d'amour. Nos parents nous inculquent beaucoup de choses, puis... C'est en se frottant à d'autres idées, peut-être, d'autres personnes, qu'on en devient corrompu, je sais pas. Je pense que c'est un peu des deux. L'homme a beaucoup de misère à fonctionner tout seul. Il y a bien des hommes sur cette planète Terre-là qui ne croient pas en rien, alors qu'ils ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Je pense que les hommes qui ont du pouvoir et de la prestance et qui ont une place importante dans la société... Je pense qu'ils peuvent corrompre la société et du coup, la société, c'est tout un ensemble. Donc finalement, l'un a un poids sur l'autre et l'autre a le poids aussi sur l'autre. Donc je pense que c'est vraiment une relation entre les deux. Écoute, Martin, je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment, tu sais, l'œuf et la poule, là, les gens sont comme beaucoup disent les deux. Et puis pour de vrai, c'est vrai qu'il peut avoir une influence. Un enfant va naître dans une bonne famille, il va peut-être se comporter mieux que le même qui est dans une famille de bandits, puis de menteurs, puis de voleurs, tu sais. Ça, c'est quand même intéressant, là. Il y a une femme, puis aussi un monsieur. En fait, le monsieur a dit « on est foncièrement... » Bon, puis il dit la bulle familiale, il fait pour beaucoup. Moi, j'ai été élevé dans une bonne famille, avec des bons principes, mais j'ai quand même mal viré à l'adolescence. Et les gens vont dire, ah, tu vois, c'est à cause de tes mauvais amis, mais leurs parents vont dire ça aussi à eux en parlant de moi. Alors, c'est-tu mes mauvais amis qui ont fait que je suis devenu pécheur ou est-ce que cette relation-là a juste fait ressortir le péché qui était déjà en moi? Parce que si à la naissance, on est des bonnes personnes, pourquoi on élève nos enfants? Pourquoi il faut leur montrer le respect, leur enseigner l'amour, le partage? Je pense que si on n'inculque pas ces choses-là, c'est plutôt le contraire qui va arriver.
C'est clair. Écoute, il y a un verset qui dit carrément, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça dans l'Évangile de Luc. Il dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Alors, la question est posée, la réponse est claire dans la Bible et Daniel Moreau va être avec nous pour le prochain segment et il va nous parler de ce qu'est le problème du péché. Souvent, on comprend mal ce que ça veut dire péché. Moi, je pensais que péché, là, ça voulait dire faire le mal. Tu sais, quand je fais quelque chose de pas bien ou quand j'ai des mauvaises pensées. Tu sais. Mais savais-tu, François, que tu peux aussi pécher en faisant le bien? Tous les êtres humains, on a tous péché. À quelque part, on a tous brisé notre relation avec Dieu. Ouais. Puis la tragédie, c'est qu'on est tous profondément malheureux. Il nous manque tout quelque chose. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.